Bon Rémi, vous aviez annoncé un petit peu d'inconnus évidemment avant ce pré-match de préparation et finalement il y a eu de très bonnes choses je suppose. Ouais, on est plutôt satisfait. Si on compare avec la saison dernière, on avait pris 31 points à 0. Donc là on a un score qui est un peu plus équilibré, on a vu de bonnes choses notamment sur le premier tiers-temps et le dernier, on a vu des joueurs collectivement qu'on réussit à produire, donc on est plutôt content de la production ce soir. Des recrues qui sont déjà bien incorporées aussi, comment ça se passe au quotidien cette préparation et l'incorporation des nouveaux? Oui, ça fait 3 semaines qu'on travaille le projet de jeu collectif et on a pu voir notamment sur le premier tiers-temps des enchaînements vraiment construits avec un mélange avant 3/4, des articulations qui sont en place, qui sont prêtes sur le terrain. Donc, sur l'aspect de la production, il y a eu des choses convenables. Et maintenant, on a toujours ces problèmes de finition. On aurait pu marquer 2 ou 3 fois, eux aussi d'ailleurs. C'est vrai qu'on aurait aimé voir un peu plus de concrétisation, mais aujourd'hui, on est en mesure de se produire des occasions. Donc maintenant, on va attendre le prochain match avec impatience et en espérant pouvoir corriger certains détails. Le public d'ici, le public à Genève a été surpris par l'impact, qui s'attendait à avoir un peu plus de différence, et finalement dans le combat vous avez répondu vraiment présent. C'est la satisfaction aussi de la soirée. Autre secteur de satisfaction, c'est notre présence dans les collisions. Voilà. Bon, après Agen, c'est pas forcément l'équipe la plus dense du top 14, mais bon, ça reste une équipe qui s'est maintenue 11e la saison dernière de top 14. Donc aujourd'hui sur les collisions et les impacts, on a vu qu'on était présent. Donc encore un secteur plutôt rassurant ce soir. Donc les matchs amicaux, ça n'a aucune réalité pour la saison qui va venir, mais bon, aujourd'hui on peut travailler sur le contenu de ce soir et s'appuyer là-dessus. Pas de bobo ce soir d'apparence, c'est le cas? Du moins en tout cas pour l'instant pas de gros pépins, donc j'espère que ça va se confirmer dans la soirée. Super, merci Rémi.